Biden, qui Jean Bagay yo ye? Est-ce que nous clair? Est-ce que finalement nous tournons la page et que ce Biden qui parle candidat et nous pensons que gagne toujours gagne point d'interrogation et nous pensons que démocrate yo facilement capable de perdre l'élection ça si yo pas rapidement fait un choix et décider. Je dis à Biden avec l'équipe li, changer le ton. Yo même monté qui est en colère, il respectant ça. Moi, goût, mais pour me river là, d'ailleurs, j'ai plusieurs autres candidats. C'est moi qui t'ai passé, c'est moi qui premier, c'est moi qui mieux. Si vous voulez prendre place, hein, quel challenge, moi, quelle l'élection même j'avais. De façon, vous dites que l'équipe Biden a commencé par un dialogue. Parce que comme quoi, Mdadou, c'est placement nous venons prendre là. C'est comme ça que vous causé. Et Biden, Kavle, il dit, je dis à tout le monde qui compte moi que nous parler. C'est la vérité, ça vous comprend. Il y a un bon leader démocrate qui a demandé Biden pour retirer l'école. Mais qui voulait faire un souci de solidarité. On a regardé. Nancy Pelosi, comprenez bien. Il a posé la question, mais elle répond oui. Il dit, it's up to Biden to decide. Et Nancy Pelosi dit, c'est celle Biden qui peut décider. Si oui ou non, la continuer. Nancy Pelosi aller plus loin. Il dit Biden a supposé pourquoi prendre décision si oui ou non la continuer. Pas avant fin sommet NATO. Nous connaissons un sommet NATO qui a fait là. Son autre challenge encore pour Biden pour montrer que lui gagne capacité pour jouer en leadership mondial. En d'autres termes, Nancy Pelosi comprend bien la réponse. Il dit, it's up to Biden, mais elle t'a souhaité que Biden pourquoi prend décision d'adit définitive si oui ou non la continuer pas avant le sommet du NATO. Donc, on voit que réponse en pile gros c'est dans la démocratie. C'est comme quoi on dit, bon, nous c'est démocrate, Biden, nous n'avons même bateau. Donc, et nous-mêmes, nous sommes leaders. Nous n'avons pas le courir d'ailleurs pour nous tout laguer. Donc, et c'est vous-même pour vous connaître si vous avez une décision là. Pour le prendre, est-ce que la bonne pour partir nous là? Donc, indirectement, vous avez dit Biden, courir, abdim, pas fait back, pas fait back. En d'autres termes, et replacer au table pour Biden quitter dossier à flexible, pour toujours quitter, pour ne pas écarter de manière définitive, non, jamais, never, never. C'est ça au table. En fait, c'est ça. Moi, je pense que Biden dit qu'il a toujours quitté le flexible, oui, il y a une possibilité à m'abgarder. C'est, le Biden dit que, oh, c'est bon Dieu pour ta descendre dans le ciel là, et n'a pas rien, pas quoi le concernant. Je pense que là, là, il est trop loin. Comme de déclaration, ça, c'est pour ta décourager, écarter toute possibilité. On aurait été avec Biden à table, écarter toute possibilité, pas de possibilité même. Pas quoi dossier à supposer comme ça. L'autre dit, il ne voulait pas appeler, j'en passe, dans la vie qu'on a mort, point pour aller en bataille. À quoi elle supposer comme ça? Moi, je crois que l'équipe Biden, là, t'as compris que je dis, ah oui, et moi, c'est que tout démocrate, je dis, oui, avec Biden. Avec Biden. N'a pas goûté avec Biden, mais n'a pas regardé si effectivement, d'après toutes données compilées, nous n'avons pas eu de chance. Si effectivement, Biden continuait à faire bec à terre dans différents discours, elle a parlé et qu'effectivement, elle a montré qu'elle n'est pas qu'à commander en chef, définitivement, il faut nous d'accord qu'elle est capable de switch. Donc, il t'a supposé flexible. Et je n'ai pas dit à Fonzo que nous n'étions pas prêts pour nous, ensemble de monde qui effectivement, dit que vous avez retiré quoi? Vous n'avez pas quitté le gros fundraiser, George Clooney. C'est ça, monsieur dit. Monsieur dit, moi, j'aime Joe Biden. Il était un bon sénateur. Vice-président, président. Moi, je considère monsieur comme un ami. Moi, je crois en lui. Moi, je crois en caractère, en morale. Li. OK? Et pendant 4 dernières années, ça a eu un pile bataille, il fait avec nous. Il a eu un pile bataille, il fait sans pile bataille. On a eu l'impression d'essayer de monde qui aime Biden. En pile. OK? Il toujours supporter la démocratie. Et mais il dit qu'il y a une bataille que Biden pas gagner et que personne ne peut gagner. C'est bataille contre le temps. OK?
En d'autres termes, monsieur le dit, nous tous condamnés pour nous venir au niveau pour nous gain incapacité pour nous faire des trois bagailles. Bataille contre le temps, en d'autres termes, bataille contre l'âge. OK? Donc, il dit qu'il y a une bataille que Biden n'a pas gagné, c'est la bataille contre le temps. Il a fait toute bataille. Dans le rappel, n'est-ce pas parlé là, c'est lui-même qui te mettait avec Obama et il a fait un fundraiser, côté que il était arrivé rassemblé près de 30 millions de dollars. OK? Donc là, nous parlons de Yuna Pigou contre, mais on banne l'autre encore. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Même nous pensons que, au lieu que l'équipe Biden n'a pas, les gens moi là, ils commencent à être mauvais. Ils disent non, même, Biden respectant, bagaille. Et ils viennent au niveau, ils disent bon, n'importe qui qui compte, moi, pas bien en closet, pas bien caché. En d'autres termes, Biden a forcé les gens qui parlent, les mettre dehors, comme si vous protégez pas Tia. Que ce soit Schumer, que ce soit, que ce soit Nancy Pelosi. Tout grand leader parti. C'est comme quoi Biden t'a dit, t'as forcé yo, si nous sommes capables, déclarer publiquement qu'il nous compte moins. Déclarer publiquement que nous ne voulons pas pour mal. Ils ne pas faire ça. En d'autres termes, nous voulons que vous voulez projeter une unité. Parce que les femmes tout le ça qui a passé là. Il y a un mouvement autodestruction qui a fait dans le temps démocrate là. Donc nous avons souhaité que l'équipe Biden non, quitte open possibilité ça, je ne veux dire. C'est une possibilité que y a. C'est ça lié. Il y a un journaliste qui t'a fait interview, qui t'a essayé de réparer les dégâts, nous le voyons Stéphanopoulos, dernièrement qui fait un gros interview avec Biden. Lui-même, l'idée en tant que démocrate, tout le monde connaît. Il me dit que lui, pas quoi que Biden a fait 4 années encore. La vérité, guys, on t'a dit, Biden est le président, il n'a pas fait 4 années encore. Lui, clair. OK? On est clair sur ça? Biden est le président, il n'a pas fait 4 années. De toutes les façons, c'est Harris Kamala qui va le faire ça. Jeudi, c'est mercredi, pas ça? Premier sénateur. Sénateur, pourquoi j'en dis rien? Premier sénateur démocrate qui publiquement fait une remise en question. OK? Qui publiquement fait une remise en question de la candidature de Biden. Pas oublier quand on a n'importe 7 députés. C'est Michael Bennett de Colorado. Et lui-même, il dit clair, d'après toute expectation, Biden a perdu contre Donald Trump. Et lui-même, il dit qu'il a perdu, ce n'est pas n'importe perdu, non. Il peut voir que le cas perdu fait ça, un landslide. Il dit qu'il a perdu, il va piler pas paquet. OK? Donnez bien. Donc, il dit qu'il peut voir que et Biden. Perdu pas pile et pas paquet. Landslide. Donc, nous pensons encore une fois, équipe Biden, il faut que suspend campé en gros point. Nous pensons que faut que d'accord que avec vous dit j'en passe le passé. Li encore tôt pour nous dire j'en passe le passé. OK? Li encore tôt. Mais donc, tout le monde va regarder ce qui va se passer dans NATO. C'est pas long le sommet de NATO qui a fait dans ce moment-là. Et dans ce moment-là, il y a des updates. Biden a rencontré avec les alliés. Et donc, c'est comme ça qu'on se dit. Mais c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Et est-ce que c'est Kounia démocrate qui a causé l'âge là? Est-ce que c'est Kounia qui était ouais ça? Dans le mois de juillet, et c'est qu'on y a un problème dans la vie plus prononcé. En tout cas, les démocrates ont supposé joindre un modus operandi, et il est clair que ils n'ont pas supposé entrer dans le mois d'août pour y tirer plus encore. Il faut que tout le monde a rallié, parce que laissez-moi dire, au niveau des républicains, comprennent bien. Il y a un bon qui pas quoi dans Donald Trump. L'opre ni ki ale, jouni fiti apon kre, ni ki ale pa kwen nan Donald Trump, men wè li djou la, tout alge li yo li djou pou yal vote Trump. Est-ce que vous comprenez? Ni pa kwen. Pou m ap gade attorney général, ansyen attorney général Trump, lan ki dou li machine de Trump, son pa ete chaje. Mise dou Trump, son neg
son moun foulier, li pa même gen capacité. Bon, ouais, à la fin de l'eau, il va aller d'être. Est-ce que vous comprenez? Ma petite comprenne, ça m'a visé tout là. Il essaie de nèg moi qu'al marché de nèg moi à la fin au dou bon et nous arrivons au niveau là pas gain l'autre candidat et c'est ça. Si pas gain l'autre candidat c'est celle monsieur gain. Donc même au dou bien sérieux et au républicain. Donc à un certain moment de la durée, il va falloir aller dire à ce moment là rapidement hein, tu vas la suivre contre temps. Je pense que si a gain un petit et un petit bataille qui pour faire pour moi juillet à là, que bataille la fête, lundi bataille là, des mésententes, des contre-arguments. Les pressions, puis le pression a fait sur Biden là. Que le fait, mais qu'à la fin, que tout le monde comprenne que, mes messieurs, nous sommes en bataille. OK? Donc, c'est comme ça que je pense. OK?